Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner 30€ de l'heure juste en regardant des vidéos et en surfant sur le web. Bon, je sais que cela paraît très beau pour être vrai, mais j'ai moi-même essayé et cela marche. Donc, restez avec moi les amis, parce que cela va être une très bonne vidéo. C'est parti les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser 30€ de l'heure juste en surfant le web et en regardant des vidéos. Oui oui, cela est possible. La raison pour laquelle je suis tombé sur cette vidéo est que moi-même j'étais en train de réaliser un site internet pour un de mes nouveaux business en ligne et j'avais besoin d'un regard extérieur sur le travail que je faisais. Donc tout simplement je me suis dit que cela serait une très bonne idée d'avoir un regard extérieur sur le travail que j'étais en train de réaliser. Et que cela serait top si quelqu'un pouvait me donner son avis sur mon nouveau site web. Du coup, tout simplement, j'ai tapé sur Google « personne qui teste des sites internet ». Et je sais que cela paraît complètement fou, mais oui, vous pouvez être payé 30€ de l'heure simplement pour évaluer des sites internet. Donc voilà, je me suis inscrit sur ces sites afin de réaliser des tests sur des sites internet. Et j'ai testé tout cela moi-même pour confirmer que cela est légitime et que ce n'est pas un scam. Car je ne vous conseillerais jamais quelque chose qui pourrait être potentiellement un scam. Donc cette technique est super légitime et c'est exactement ce que nous allons faire au cours de cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape comment réaliser cette technique. C'est parti. Donc c'est parti, on est sur mon ordi. Voici un des 3 meilleurs sites qui va vous payer littéralement 30€ de l'heure. Donc de par mon expérience, cela vous prend entre 5 minutes et 30 minutes pour faire cela. Donc si vous faites 3 tests, 20 minutes par test, cela vous donne 30€ de l'heure, car chaque test est payé environ 10€ de l'heure. Cela dit, cela peut vous prendre moins de temps, cela peut vous prendre 5 minutes, et vous serez aussi payé 10€ de l'heure par test. Donc, si je fais mes calculs, vous pouvez faire 12 tests de 5 minutes, et cela vous donne 120€ de l'heure, ce qui est pas mal du tout quand on débute. Donc, cependant, je le conseille pas de réaliser ces tests à l'arrache. Donc voici les 3 sites à utiliser pour réaliser cette technique. Donc j'ai checké des centaines de sites pour vous les amis, j'ai regardé toutes les reviews, tous les commentaires, ce que les gens disaient sur ces sites, et en réalité il y a au final que 3 sites au maximum qui valent vraiment la peine et qui vont vous rapporter gros. Donc, avant de commencer dans cette vidéo, les amis, j'aimerais féliciter les gagnants de la vidéo précédente qui s'affiche à l'écran. Donc, n'oubliez pas que sur chacune de mes vidéos, on fait gagner de l'argent et des formations. Donc, pour participer à ces concours sur les vidéos, c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez liker la vidéo. Mettez aussi votre meilleur commentaire juste en bas de la vidéo. Et enfin, cassez-moi ce bouton s'abonner. Cassez-moi ce bouton. Aussi, activez la cloche de notification. Donc, voici les 3 meilleurs sites dans l'ordre décroissant qui sont les suivants. Donc, le premier site est Try My UI. Donc, UI en anglais, ça veut dire User Interface. Donc, je suis là-dessus, trymyui.com. Et vous pouvez voir, là, je peux aller sur le site et il me propose de faire un tas de choses. Ensuite, le second site est nommé Userlytics. Donc, je vais dessus, userlytics.com. C'est écrit Easy User Experience Testing, blablabla, blablabla. Donc là, ils vous disent un peu comment fonctionnent les choses, comment vous allez pouvoir bosser avec eux. Et ce qu'ils attendent de vous. Donc, regardez par vous-même sur ce site userlytics.com. Et enfin, le numéro 1, le meilleur de ces 3 sites est nommé usertesting. Donc, je suis dessus, usertesting.com. Experience what your customers experience. Et là, ils vous disent, au bout de quelques heures, vous allez avoir un point de vue d'un humain
des produits, des services, de la marque. Beaucoup de startups dans le monde et de plus grosses compagnies font confiance à ce site qui est usertesting.com et ce site que vous allez utiliser afin de pouvoir gagner de l'argent. Donc, les amis, 10 euros par test, 20 minutes par test, cela vous donne 30 euros pour une heure de test en tout. Donc concrètement, vous allez me demander comment cela marche. Donc c'est vraiment aussi simple que cela en parlant. Ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez vous inscrire sur usertesting. Vous allez vous inscrire dessus et tant que vous avez accès à des choses aussi basiques que l'accès à un laptop, comme vous pouvez voir ici, mon Mac qui va vous permettre d'enregistrer. Donc, il va y avoir certains softwares qui vont vous permettre d'enregistrer. Alors, dans ce cas-là, vous allez être capable de faire tout cela. Vous devez être aussi être capable de parler normalement. Vous avez une diction à peu près normale et vous devez aussi avoir un niveau basique en anglais. Mais honnêtement, entre nous, en 2022, qui n'a pas un niveau basique d'anglais? Si vous avez un niveau pourri d'anglais, mettez-vous au travail dès maintenant pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ma vidéo. Donc clairement, c'est tout ce dont vous avez besoin pour être payé. En plus, eh bien, la plupart de ces sites ont des tests que vous pouvez réaliser via un smartphone. Vous n'avez donc pas nécessairement besoin d'un laptop, d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable. Vous pouvez le faire directement via votre smartphone si vous avez un iPhone, par exemple. Donc concrètement, vous devez peut-être vous demander comment cela marche. Donc vous devez vous enregistrer pour tous ces tests, vous devez créer votre espace personnel. Vous avez ensuite des instructions comme s'enregistrer sur un site internet, cliquer sur certains boutons, interagir avec le menu du haut, etc., etc. Donc en fait, vous allez dans un premier temps vous enregistrer sur la plateforme en question. Donc par exemple, vous enregistrez comme par exemple ici à l'écran sur usertesting.com, vous créez votre compte tranquillement et à partir de là, ils vont vous donner en fait des instructions afin de pouvoir juger certains sites internet. Vous allez vous rendre sur certains sites internet en question, vous allez vous enregistrer, vous allez enregistrer votre voix et vous allez faire des commentaires sur le site internet en question que la plateforme vous demande de juger. Vous allez dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que l'interface utilisateur est correcte à votre sens, si vous pensez qu'il y a des erreurs, s'il y a des choses que vous auriez aimé sur la plateforme, etc., etc. Donc, quand moi je me suis enregistré la première fois, je devais m'enregistrer sur le site internet d'une école et cela m'a dit de m'enregistrer pour un compte. Donc en fait, je devais simuler que je m'enregistrais sur le site internet d'une école et à partir de là, je devais donner mes critiques, qu'elles soient positives ou négatives, sur le fait de s'enregistrer sur le site internet de cette école. Donc littéralement, cela m'a pris 8 ou 9 minutes à faire et littéralement, ils m'ont envoyé 10 euros via PayPal et cela est arrivé en moins d'une semaine. Donc c'est super simple, c'est super facile à faire, vraiment. C'est les 10 euros les plus simples que j'ai fait dans ma vie. Bravo, ok les amis, je rigole. Ce n'est pas les 10 euros les plus simples que j'ai fait dans ma vie. J'ai réalisé de l'argent encore plus simplement que ça. Donc, sérieusement, c'est une superbe méthode pour débuter ces sites internet-là. Et le dernier, le meilleur, usertesting.com. Donc, je vous donne aussi quelques conseils pour réussir sur ces plateformes. Vous devez dire les choses en détail. Vous devez parler tout au long de la vidéo et vous devez montrer ce que vous faites sur le site et en même temps donner des commentaires. Donc, imaginons, par exemple, si on prend le site usertesting.com et que je devais le critiquer en vidéo et donner mon avis et donner des commentaires en même temps. Donc, par exemple, je me baladerai sur le site. En même temps, je dirais « Ok, j'aime bien ce bouton ici, Request Try. J'aime bien également le fait que ce soit directement écrit ce à quoi le site aspire, quel est le but du site, qu'est-ce que vous faites, etc. »
Je pourrais dire ensuite que je préférerais que la vidéo ici se lance directement toute seule pour attirer vraiment l'attention de l'utilisateur sur le site internet. Et je pourrais dire un tas de choses. Je pourrais dire par exemple, j'aime beaucoup la preuve sociale que vous avez là ici, que vous avez mis directement avec ces grosses entreprises comme Samsung, comme Domino, etc. etc. Donc là, je fais un exemple. Mais bien évidemment, quand User Testing va vous demander des choses, ils vont vous demander des choses en détail, ils vont vous demander de réaliser des critiques sur des sites internet en particulier, et bien évidemment, ils ne vont pas vous demander de critiquer leur propre site qui est usertesting.com. Donc ceci est simplement un exemple. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur le site que l'on vous demande de critiquer, vous pouvez en parler aussi. Donc c'est une superbe façon de gagner de l'argent qu'on n'a pas d'argent pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin est d'un niveau basique en anglais, d'un ordinateur, de la volonté et du temps de faire tout cela. Littéralement, vous n'avez besoin que de cela. Donc vous n'avez besoin de rien pour commencer et vous pouvez gagner de l'argent quasi immédiatement juste en échangeant votre temps. Cependant les amis, comme dans tout dans ce monde, quand les choses sont un peu trop belles pour être vraies, ben cela veut dire que effectivement c'est trop beau pour être vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un inconvénient en fait, en particulier dans cette technique. Vous pouvez pas faire autant de tests que vous voulez. C'est pas comme si je pouvais me poser et faire 100 tests d'affilée et gagner 10 fois 100 euros, soit 1000 euros en faisant des tests toute la journée. Ce n'est pas comme cela que ça marche et malheureusement vous avez accès qu'à un nombre limité de tests par semaine. Mais bon les amis, comme d'habitude, eh bien j'ai une solution pour tout cela. J'ai trouvé une solution à cela et la solution c'est de s'enregistrer sur tous ces sites internet en même temps. Tout simplement, vous allez vous enregistrer sur trymyui.com, vous allez vous enregistrer sur usermetics.com et vous allez vous enregistrer sur usertesting.com qui est, je le rappelle, le meilleur site. Donc vous allez vous enregistrer sur tous ces sites que je viens de vous montrer à l'écran. Cela vous donne accès à une multitude de tests par semaine et par site et donc cela signifie que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et si vous matez cette vidéo les amis, je sais très bien que vous êtes là pour ça, à savoir gagner plus de cash. Et donc la raison pour laquelle je vous montre cette page ici, c'est que il y a en réalité trois autres sites dont je ne vous ai pas parlé. Ils n'ont pas une aussi bonne réputation, ils n'ont pas le même nombre de commentaires que les trois sites précédents, mais cependant ils sont une bonne solution pour avoir accès à beaucoup plus de tests. Donc là, vous avez six sites en fait à disposition. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Et vous avez également ce site enrollapp.com qui va également vous permettre d'avoir accès à une multitude de tests par semaine. Donc, les trois derniers sites que je viens de vous montrer sont userfeed.com, whatusersdo.com et unwall.com. Donc, ils ne sont pas aussi bien que les trois premiers sites, mais je vous les recommande fortement. Donc voilà les amis, c'est une superbe solution pour gagner de l'argent rapidement. Donc le meilleur truc dans cette histoire, c'est que c'est super cool. Moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à m'enregistrer sur tous ces sites-là et à faire un tas de tests pour une multitude de sites internet dont j'ai pu un peu faire la critique. Moi-même, j'ai créé par le passé eh bien, une multitude de sites internet, donc je sais ce que c'est des interfaces utilisateurs, je sais ce que c'est de vouloir eh bien, des feedbacks de la part des utilisateurs, de la part des internautes, donc j'ai pris énormément de plaisir à moi-même réaliser eh bien toutes ces critiques pour ces différents sites internet. Et honnêtement, je préfère cela que l'audit bancaire que je faisais il y a encore quelques années en région parisienne pour un salaire de misère et cela me prenait environ 80 heures par semaine.
Donc clairement, c'est une super technique pour gagner de l'argent quand vous avez du temps. Donc clairement, échangez ce temps pour gagner de l'argent assez facilement avec les techniques que je vous ai montrées au cours de cette vidéo. Et bien évidemment les amis, l'objectif c'est pas de faire ce job, l'objectif c'est pas de faire ce genre de test toute votre vie, l'objectif c'est pas que ce soit quelque chose de permanent, mais c'est une superbe technique pour commencer dans le business en ligne, pour commencer à gagner de l'argent en ligne. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est investir eh bien, cet argent que vous avez gagné grâce à ces techniques-là, l'investir dans un business en ligne qui est stable, comme le fait de créer une agence de marketing digital ou le fait de créer une agence de publicité Facebook. Cela va vous permettre de créer un revenu à temps plein et de pouvoir quitter enfin votre job de 9 à 5. Et je sais très bien, les amis, que vous regardez cette vidéo parce que vous avez en tête de quitter votre job de 9 à 5. Les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un énorme like, mettez-moi votre meilleur commentaire juste en bas et lâchez-moi une énorme bombe sur ce bouton s'abonner. Et activez également la cloche des notifications pour être au courant de chaque vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube. À la prochaine les amis.